Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux souris? Non? Eh bien, c'est normal, parce que ce qui les distingue l'une de l'autre, c'est leur comportement. Une de ces deux souris est autiste, c'est-à-dire qu'elle présente les symptômes principaux de l'autisme humain. Premièrement, des déficits d'interaction sociale. Par exemple, cette souris ne va jamais chercher un contact avec un autre individu. Deuxièmement, des déficits de communication. Cette souris va émettre moins d'ultrasons que la norme. Troisièmement, des comportements répétitifs ou stéréotypés. Par exemple, cette souris se gratte beaucoup plus qu'un individu non atteint. Maintenant, ce qui complique le traitement de l'autisme, c'est que cette condition est due à plusieurs facteurs, notamment la génétique ou la présence de certaines molécules dans l'environnement. Il faut alors trouver un mécanisme de convergence, c'est-à-dire un point commun aux différentes formes d'autisme. Or, en examinant le cerveau de mes souris atteintes, j'ai découvert que la parvalbumine était moins exprimée, c'est-à-dire moins présent. La parvalbumine est une protéine essentielle pour la régulation de l'activité neuronale. Elle régule l'excitation et l'inhibition, deux forces contraires mais complémentaires dont l'équilibre est essentiel pour le fonctionnement physiologique de notre cerveau. Si vous voulez, c'est un peu comme le yin et le yang. Ce qui est intéressant, c'est qu'une réduction de parvalbumine peut également être observée dans le cerveau des patients autistes. Il semble alors que cette protéine soit le point de convergence recherché de l'autisme. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'augmenter l'expression de parvalbumine dans le cerveau de mes souris. Et pour faire ça, j'ai utilisé une molécule bien connue de la famille des estrogènes. Suite à ce traitement, j'ai vu que les comportements sociaux, les comportements répétitifs et la communication chez mes souris se sont améliorés. Cette découverte offre donc la voie à de nouvelles thérapies pour les formes d'autisme caractérisées par une réduction de parvalbumine. Donc, l'adaptation aux patients humains sera facilitée, sachant que les estrogènes sont des molécules au dosage et métabolisme cliniquement déjà bien documentés. Merci.